bon matin! Quoi? Il y a beaucoup de bottes à balle, ça m'a impressionné. Bon matin! Donc, aujourd'hui, on est dimanche matin, notre dernière journée complète ici. Ouais. Dans le fond, on repart lundi. On ne sait pas encore à quelle heure. Puis là, aujourd'hui, on s'en va à la plage parce qu'il fait super beau. Il annonce 25 et gros soleil. Fait que, ouais, ça va être vraiment fun. Puis là, on essaie, parce que là, on est à Wells. Fait que là, faut aller à la plage en voiture. Puis on va aller au parking qui est à North Beach, Algonquin. Ouais, je pense que c'est mieux que la pire. Ouais. Puis on va repasser là, dans la rue des petites maisons. Trop parfaites. Ah, elles sont tellement belles, ces maisons-là. Fait que. Ça ressemble à ça notre journée. On va passer la journée à la plage. Puis ce soir, bébé, tu te rappelles-tu où est-ce qu'on va manger? Ce soir, où est-ce qu'on va manger? Non, je ne me rappelle pas. Je devrais m'en rappeler. Où est-ce qu'on va manger déjà? Ah, c'est-tu la place auprès des bras de mer? Oui! Oui. On va aller manger un bon lobster. Là. Ouais. C'est vraiment beau comme place. Mmh. Ouais, la plus belle terrasse du coin. Ouais, je pense. Ben, ça dépend ce que tu recherches, mais ah, je voudrais tu me tourner ici. Je pense que oui. Voilà. Fait que, ouais, ça va ressembler à ça notre journée. Puis on s'en parle tantôt. Salut, babe. Tu open banjo? Ben oui, écoute. Nous montrer ton petit chariot à. Celui de ton papa. Ouais, hein. En fait, merci, Paul, pour cette. Cet objet des plus utiles à la plage. Vraiment. Honnêtement, on ne pourra pas s'en passer avant de sortir de maintenant. On a connu le luxe d'avoir notre chariot de plage. On peut avoir des chaises et des parasols partout dans les bras. Donc, honnêtement, c'est vraiment. En plus, c'est super pratique. C'est la version quand il est tout replié pour le rangement. Ouais. Ça prend pas bien. Puis je pourrais le zipper aussi comme ça, mais il y a la petite languette ici pour le ouais, quand on l'utilise dans la vie, comme à chaque jour, par exemple. Ouais. Je mets le petit velcro pour le serrer. Et après ça, ben, c'est super simple. Tu vas juste l'ouvrir, le déployer comme ça pour commencer. Oups, ça. Après ça, tu passes ici au centre. Voilà, jusqu'à ce que les petites articulations se soient déployées complètement. Puis après ça, ben, tu as un grand volume. Comme ça. Très grand volume de rangement. Un petit plateau. Là, ici, on peut mettre comme des petites affaires. Là. Je mets ma caméra souvent là. Ouais. Nos déchets pour partir. Puis ça a une belle capacité. Ouais, c'est très spacieux. Ouais. Notre couverte de plage. Ah, en même temps, on pourrait dire qu'est-ce qu'on apporte à la plage avec nous. Fait que notre couverte pour s'abriter, se coucher. Après ça. Des ouais, on met des cotons wattés si on a froid, des chips, of course, des verres pour quand on prend notre petite bière sur la plage, des crèmes solaires, les livres. La veste de sauvetage à banjo. La veste de sauvetage à banjo. On peut-tu apporter un jeu aujourd'hui? Oui, on va amener le jeu de pétanque, je pense. Hey, tu veux-tu t'emmener la serviette que tu viens de garocher là? Pas de mauvaise idée. Parce que c'est quand même drôle. La cage à banjo, finalement, on l'a pas utilisée du tout. Puis, on l'avait stockée de toutes nos serviettes de plage pour pas que ça fasse de bruit quand on allait être sur la route, parce que la cage est toute en métal. Mais là, on dirait, vu qu'on l'utilise pas, on veut pas les enlever de là. Fait que finalement, on a comme pas de serviette. Hey, où la serviette à banjo? Bonne question. Très bonne question. Elle était sur le bord de la porte. OK. Les Arizona. J'ai fait de la liaison. Voilà ce qu'on apporte. Puis on va s'apporter un petit jeu. Soit nos mythes de baseball, là, ou soit notre jeu de pétanque. Tu décideras, chérie. Je vais faire jeu de pétanque. Ça me tente plus jouer à la pétanque aussi. C'est la serviette.
est allé se baigner un petit peu. Banjo, il a pas mal aimé ça. Il aime quand même ça, se baigner, jusqu'à temps où est-ce qu'il pogne, genre vraiment une grosse vague, puis qu'il pogne un bouillon. Là, après ça, il aime pas vraiment ça. Il arrête. Mon petit loup, il est tout fatigué. Puis là, on s'est installé pour dîner. Je vais vous montrer notre petit lunch. Donc, on a des bonnes petites chips ici. Oh mon Dieu, j'ai failli échapper les pains dans le sable. Donc, on a du pain baguette ici. Des chips buffalo bleu, c'est ça, c'est vraiment bon. Des carottes. Baby carottes. Avec la trempette. Sinon, on a un genre de boursin, ça a l'air vraiment bon. Un genre de fromage à tartiner, ail et finisard. Ouais, ça a l'air vraiment bon. Puis on boit une bonne petite bière aussi, encore une fois. Oui. Le dessin est vraiment beau. Ouais, ouais. C'est vraiment le format parfait, ça, c'est pour se partager. Là. Et à peu près 473 ml, comme une pinte, 500 ml en moins. Ils ont des vraiment beaux branding, honnêtement. Ils sont vraiment beaux, hein? Ils sont belles, les canettes de la micro du Québec, mais honnêtement, ici, dans le Maine, c'est vrai que... Ouais. Franche attention qui est donnée envers le branding, qui sont vraiment. Fait que c'est notre petit snack. Il y a Banjo ici qui est bien, bien fatigué, hein, Lulu? Est-ce que tu méritais une carotte? Banjo, ah oui. Assis. Oh là là, ça c'est bon, une carotte. Ah oui. Oh, il y a du sable partout sur la gueule. Oh des bons yeux. Puis je vais sûrement recevoir des commentaires à un moment donné sur comment que ça va justement à Banjo avec le sable et tout ça. Puis sérieusement, c'est vraiment bien quand il sort de l'eau. Il est vraiment dégueulasse, là. Il est genre. Tu sais, il y a plein de sable, là, comme là. Mais après ça, ça sèche, puis son poil vient tout doux, puis il sent bon, là. Il sent la mer. Ouais. Ouais, il sent la mer. Mais tu sais, il est pas dégueu, là. Vraiment bon. Fait que voilà. Donc, sur ça, on va manger notre petit snack. Faut pas l'échapper, hein, même? Oui, en effet. J'ai de la j'ai mon maillot. Je ferai une vidéo pour en mémoire à ma gougoune perdue. J'ai perdu ma belle gougoune Nike que j'aimais full. Pour une fois j'en avais trouvé à ma grandeur. Qui me faisait à mon petit pied étroit. Il y en a une qui a disparu. Elle s'est enfuie. À la course. Fait que je suis vraiment triste. Fait que pour ce faire, mon chum m'a payé un gros café glacé. Une kit donut à la pumpkin, mais j'ai demandé sans sucre parce que sinon c'était trop sucré. Il est vraiment délicieux, puis on a décidé de commander le large pour voir ça faisait quoi. Finalement, c'est une chaudière. C'est tellement gros, là. Je sais pas si on peut voir, là, mais hé hey, là là, ça c'est genre aussi gros que ma face. Ouais, t'es excité ce soir. C'est ça. Ouais. Fait que ce café, je l'ai dédié à ma gougoune, bref. Mmh. Il est allé voler de ses propres ailes. Hey Lou! Assis! Putain! Oh, bon chien! Bon chien! Mmh. C'est tellement beau! Non, mais quand j'ai aimé. Mais trop drôle. Les choux, les bois. Bon matin, tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc, on est rendu lundi matin. J'ai oublié de faire une conclusion à mon vlog hier parce qu'on est allé proche, dans le fond, d'un port à Wells. Puis, dans le fond, on a comme passé la soirée là. C'était vraiment le fun. C'est notre dernière soirée ici. Puis là, aujourd'hui, dans le fond, on pensait aller à la plage. Puis partir vers comme 1h30, 2h parce qu'il fait vraiment beau. Sauf que cette nuit, Banjo, il nous a réveillés parce que monsieur avait une petite otite. Banjo, on dirait que quand il va dans... Banjo! Hé! Viens, attends, on se gratte pas l'oreille. Quand il va dans de l'eau... me souiller un peu, tu sais, la mer ou dans l'eau des lacs. Il nous avait fait ça quand on avait été en juin au lac d'Oro aussi. Puis quand on lissait, je passais bien les oreilles, ce qu'on a oublié de faire. Il fait une petite otite. Fait que, c'est ça, là, il a quand même un petit peu mal. On lui a nettoyé les oreilles pour nettoyer sa cire. Mais ses gouttes sont restées à la maison. J'ai oublié de les apporter.
Parce que c'est ça, il avait fait son otite en fin juin, début juillet. L'endette. Moi, fin juin, dans le fond, parce que nos vacances. Ouais, fin juin. En tout cas, là, dans ce coin-là. Puis, ouais, non, c'est ça. Début juillet, c'est important. Écoutez. Dans le fond, il lui restait des gouttes parce que son traitement, c'est un nombre de jours. Fait que, on va lui en mettre. Puis, si on voit que ça guérit pas, ben, on va aller voir au vétérinaire. Mais sinon, on aurait pu aller ici aussi, juste en face, il y a un petit vétérinaire. Mais là, on s'est dit, gars, ok, on va rentrer à la maison. Là, c'est pas un avant-midi de plage qui va changer quelque chose. Ben, tu sais, ça va changer quelque chose pour lui, puis pour nous, pas grand-chose. Non, Banjo! Puis pour nous, c'est ça, ça changera pas grand-chose. Puis pour lui, il va juste être bien d'être dans ses affaires, puis de bien dormir aussi. Parce que là, c'est ça, cette nuit, il a pas super bien dormi à cause qu'il avait mal à son oreille. Fait que c'est ça, cette nuit, il a pas vraiment super bien dormi parce qu'il avait mal à son oreille. Là. Fait que justement, là, c'est dans la nuit, vers comme 1h30, 2h, là, qu'on est allé le voir, là, parce que c'est ça, il pleurait un petit peu, un petit loup. Fait qu'il a tout nettoyé. Donc, ça va mieux, mais c'est que ça sent quelque chose, genre chez les chiens, c'est un milieu. On gicle dans l'oreille. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il regarde comme ça? Ouais. Donc voilà. Donc ça va être la fin de nos vacances puis de mes vlogs vacances. J'espère que vous avez aimé. On a tellement passé du beau temps ici que ben c'est ça. L'an dernier, on disait on était venu 4 jours. Puis là, on s'est dit on va venir une semaine. Mais mon Dieu, j'en prendrai encore une autre là. D'ailleurs, tu sais là, une chance, il y a une chance. Il y a l'oreille de Banjo qui file pas, mais moi j'aurais continué, j'aurais loué comme 2 autres nuits ici encore. Mais mon chum, il me dit wow, là, on se calme. Fait que voilà, on a vraiment passé des belles vacances. N'hésitez pas là, si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Moi, ça fait quand même assez longtemps que je viens ici. Puis j'aime vraiment toujours autant ça. Puis je pense qu'on va juste dire à l'année prochaine, hein, Banjo? À l'année prochaine! Puis même si on a eu du temps plus frais cette année à cause des vents froids de l'ouragan, ben on a vraiment eu du plaisir. Puis tu sais, c'est vraiment le fun là aussi d'être sur la plage en Cotawaté, c'est juste complètement différent. Puis on a été chanceux, on a juste eu 2 jours de pluie dans le temps des ouragans. Puis tu sais, on sait, on vit en septembre, fait que l'an dernier il avait fait super chaud, genre maillot de bain tout le temps, mais cette année c'est pas ça. Mais c'était autant de fun là, genre. Je viens pas nécessairement ici juste pour la plage. Puis vraiment là, c'est juste. Moi, septembre, c'est mon temps idéal parce que ben c'est ça. Les chiens sont acceptés sur la beach. Mais aussi, je sais pas, il y a comme une ambiance vraiment plus calme. Le gros rush des vacances est parti. Il n'y a pas de stress au restaurant, il n'y a pas d'attente, rien. Fait que pour ça, c'est vraiment le fun. Je sais pas si. Hey, Banjo là, non! Non! Je sais pas si l'an prochain va revenir en septembre ou plus tôt, mais en tout cas, non. Puis, donc, c'est ça. Dans le fond, j'espère que vous avez apprécié mes vlogs vacances. Puis, je suis vraiment contente de me garder autant de souvenirs que ça. Donc, voilà. Bye! On se revoit dans un vlog de retour à Montréal.